Bonsoir, bonsoir les amis, c'est Gla ici. Comment allez-vous? Alors voilà, donc on est toujours, voilà, épisode 7, The Tiger That Faded Into Darkness. Mes amis, 68 ans, voilà, notre target est là. Donc moi j'ai dû revenir, donc j'ai dû me retaper les samouraïs et tout ça, hein. Franchement c'était cool, hein. Putain, je me suis fait des bons combats et tout, franchement là je les massacre, hein. Donc j'ai le drill, mes amis. Donc j'ai le drill, alors le drill, ouais, donc tu gardes, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer vite fait. Bon là je suis dans la merde, hein, parce que... Le temps d'arriver juste là, donc il m'a défoncé avec le tigre, hein, donc la course avant. Et du coup, j'ai 5 tickets. Donc je pense qu'avec 5 tickets, on peut y arriver. J'ai perdu que 2 tickets avec tous les ninjas et les samouraïs. Hein. Tranquille, tranquille. Donc on continue, mes amis. Donc là, apparemment, j'ai 646 cristaux. Donc on va augmenter ensemble. Hein. Alors, donc si je me souviens bien, donc j'avais augmenté ça au level 3 avec vous, il me semble, dernièrement. En fait, j'étais comme ça, voilà. Et il me semble que quand j'ai perdu, je déduis que j'étais à ça. Donc moi, ce que je voulais, c'était aussi ça. After Just Girl, tu fais le cul et ça fait un gros choc par terre. Voilà, et 146, je peux pas. Donc là, je suis dans la merde. Ouais, ok, donc mes amis, on est parti. J'espère que vous allez bien, installez-vous. La suite de Killer's Den. Ah oui, la drill, tac. Hop. Donc, mais le truc, c'est que... Voilà. En fait, il y a des moments où elle te lâche. Il y a des moments où elle fait rien, c'est assez bizarre. Il y a certains ennemis où je faisais ça, côté ninja. Ah, là, elle fait pas, voilà. Ah, parce que... Allez, vous voyez, mes amis, c'est pendant un temps limité, en fait. 3-4 coups. Et du coup, j'ai la capacité qui s'est activée, là, dans les statues. Hein. Bon, on verra ça après, hein, vous avez compris. Hein. Tac, là, juste à droite, 320 francs. Ok, on continue. Donc, ça repousse un peu l'ennemi, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on appuie avec R pour changer. Je crois qu'il y avait un peu de vie, là, dans ces tonneaux. Je vais le dépêcher avant que l'autre bébé, il arrive. Parce que lui, il est quasiment... Faut un peu le manipuler. Voilà, mais faut pas trop faire le con non plus. Donne-moi un peu de sang. De la vie, pardon. Il y a un terrain là-bas. Yeah! Oui, oui, oui! Allô? Je suis invincible, je suis Mondo Zappa. Dis-moi le samouraï. Ouais, mes amis, vous allez me dire, je peux bloquer et puis tirer que dans la tête. Allez, allez! Oh, t'as rien là! Ok, ça marche pas ça. Pas d'adoption. Ok. Ah bah tu sais, je peux pas faire de bullet time, je peux rien faire. Je peux juste attendre qu'il tape. Voilà, et là normalement. Ah mais après il contre-attaque direct. Et de temps en temps il le fait pas, j'ai l'impression que c'est aléatoire, donc c'est super chaud en fait. Là tu peux, mais là voilà. Oh ok, c'est bien ça. Trop beau comme j'ai évité ça. Just that, voilà. C'est qui fait bullet time maintenant, hein, connais. En fait, tu peux rééviter après, alors, ok. Ouais, mais là, je sais pas comment j'ai fait bullet time, honnêtement. Vous avez bien vu l'épisode d'avant, je suis mort, là. Hey. Ah ouais, en fait, faut... C'est super chaud, c'est super chaud. Bon, là, j'ai toute la vie. Allez, on a 5 crédits. Mika, merci. Ah, y'a Kaoru qui m'a appelé avant aussi, c'est une des demoiselles là, je sais plus, c'est une des clientes encore. Putain, y'a au moins 8 demoiselles quoi, est-ce tombé, il est... Tous les jours de la semaine, il est complet quoi. C'est sacré mon beau. Hop, ok. Putain, il me donne des coups de pieux. On peut pas contrer. Ah si, j'ai pu contrer. Ouais, mais... Putain. Ça sert à rien, putain. Eh non. Bah écoutez, mes amis, je suis obligé un peu de... Je vois pas trop comment... Ouais, à part un peu comme faire comme avant, là. Mais c'est comme j'ai dit, il faut... Ah, c'est ce coup-là, en fait, qu'il faut. C'est ce coup-là qu'il faut contrer. Faut faire le bullet time. Ah, parce que là je bouge, je peux pas. Dès qu'il a des coups enflammés là. Ah ouais, tu peux pas éviter ça. Tu peux pas faire bullet time, tu peux pas contrer, tu peux rien faire. Mika, un petit bisou. Merci, merci. Elle le reconnaît. Putain, il est son con. Putain, mais comment faut faire? Ouais, avant j'ai eu de la chatte quoi.
Je peux vraiment pas de dodger quoi. Et je peux pas contrer. Putain. J'ai pas envie de faire ça quoi. Tout le long, c'est trop long quoi. Quoi que ça enlève pas mal mais. Ouais bah voilà, au bout d'un moment ça... Eh non. Ouais, faut aller assez vite mais. C'est deux coups par deux coups quoi. Ah là il est dans les coffres. Et là je me casse. Sinon il va être méchant. Voilà. Ouais, trop beau ce bao quoi. Oh joli. Haha, mais moi je suis un. Je suis un cyborg, je peux me soigner. Quoi? Ah ouais, j'aurais pu éviter, je pense. Ah bah là, c'est pas, putain. Bien joué, bien joué. Là, c'est une onde de choc. Il faut attendre un peu, je pense. Oh. Je sais pas si on va y arriver avec 5 crédits. J'essaie de capter une technique, mais... Y'a pas vraiment de technique, quoi. Je vois pas vraiment... Comment... À part faire la pute avec le gun, mais... Ok, on passe pas. Bah évidemment j'ai gagné, tu crois quoi. Je suis pas batteur pour rien, putain, espèce de merde. Ok, donc quand tu fais ça, faut se protéger. Vas-y, refais, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, mon pote. Malheur, t'as du mal, connard. Oh, j'ai pas... Ah, j'ai cru que c'était bullet time. Ok, on commence à comprendre gentiment, hein. Chut, ok, donc je te vois, mais le truc c'est que là, c'est la première phase. Bon, j'ai fait un peu la pute, je suis désolé mes amis, mais il faut que j'enlève le plus possible, en fait. J'ai fait un petit peu la pute. Ouais, mais je suis désolé, mec, mais... Grosse pute, mec. Avec ton tigre, là, t'es... J'avoue, j'ai un bras mécanique aussi, mais... Ouais, mais je vais rien faire, putain. Ah, il va refaire ça. Ah, mais c'est autre chose. Pourquoi tu fais plus le saut là? Waouh! Bien joué. Ouais, mais cours pas comme ça, fais pas semblant. Ah, y'a pas de soucis. J'ai un bras mécanique, je vais faire que. Je suis tombé, je suis inventif. Ah! Ah, on peut peut-être se protéger contre cette merde. Oh, joli! Oh, pourquoi pas, hein? Wouah! Ça me fait rire parce que c'est surprenant ce coup, putain. Ah, vas-y, saute, saute, y'a pas de soucis. Viens, viens, viens. Les combats de samouraï quoi. Ah, je voulais faire le Hadoken, j'aurais pas dû. Ah, bâtard, mon dieu. C'est laquelle celle-là? Ouais, parfait. Nickel. Inutile, 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 inutile. Ah, ouais, ça c'est pas inutile. Hein? Ah, ouais, en fait, il fait une feinte quand il fait pas comme ça. Bien joué. Pas je sais jamais s'il va refaire un deuxième coup après quoi. Ah voilà. Merde. Ouh, j'ai pas réussi à le contrer. Ah mais j'ai. Ah mais je pensais qu'il allait faire l'autre. Bon en tout cas j'ai réussi à faire une phase mes amis. Pour pas capter mais. Si c'est que j'ai pas envie que ça dure aussi. Des heures et des heures. Parce que je me dis, il y a encore deux phases, quoi. Ah ouais, c'est drôle, c'est bon. Vas-y, on va voir ce que ça fait. Hein? C'est tout? Ouh, le tigre. Bien, j'avoue. Ah, fils de... Mais tu pourrais prévenir. Voilà. Là on va t'amuser maintenant. Enfin, on va compris.
Tiens, je te tire dessus quand tu peux, merde. T'es drôle, rien que son tir, quoi. Je sais pas, ça me fait un peu rire, quoi. Inutile, 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 inutile. Aura, 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 aura. Bien joué. En fond, j'ai de la vie. À l'infini. Ouais, mais tu vas te calmer tout de suite. Et on tourne parce que c'est joli. Eh non. T'as vu, j'ai stoppé le temps pendant un petit moment. Juste pour te montrer que je peux. C'est joli, hein. Ouais, t'as l'air con. Mais là, je l'ai arrêté, mais je t'ai pensé. Ça va être bien. Ça, je suis en train de défoncer dans le coin, j'ai l'impression que j'ai chopé bien. Tu fais quoi? T'es une grosse merde en fait. Ah, tu veux jouer à chaque main? Viens. Bien joué. Recharge, bande de recharge. Eh non. Bien joué. Putain, tout ce qu'il enlève, le nombre de chocs quand même. Je garde toujours une fleur. Ah, mais j'arrive pas à éviter celui-là. Bien joué, putain, bien joué. Franchement, là. T'es sûr. J'ai pas le choix, je suis plus utilisé. Ouais. Comme il me le chope. Ah mais il est dur parce que c'est... Ok mes amis, dernière... Bon, au pire je fais un continu hein, comme d'hab, vous avez l'habitude hein, de les poser deux fois. On est en variable quand même hein. Je suis pas en nightmare mais... Je pense qu'en nightmare ouais ça doit être violent aussi mais... Putain, ce qu'ils m'ont enlevé. Ouais, faut vraiment pas faire mal. Ah là j'ai le temps, yes. Ah là je suis à fond. Eh. Oh, vous voulez me choper comme ça? Non, on voit rien, je détecte comme ça. J'utilise une rose, regarde, juste pour te montrer. Putain, comme c'est beau quand même. Alors, le tigre il fait quoi là? Ah, il me regarde, il vient. Attends, en fait, du coup, je peux peut-être le contrer. Eh ouais. Alors, c'est qui le boss maintenant? C'est l'air con. Hein. Ouais, j'avoue, j'ai fait le malin. Ouais, t'es mort mon pote. Ouais, j'aime les bêtes, mais... Ouais, j'aime les bêtes, mes amis, mais... Bah, j'ai pas trop le choix. C'est à l'ingré de mon plein su. Je suis obligé de te liquider, mon pote. Ah, peut-être pas. Salut. Waouh, c'est pas fini? Let me end my own life like a true samurai. Hein? Laisse-moi finir ma propre vie comme un samouraï, comme un vrai samouraï. Tu veux te faire... Assist me. Tu veux te faire harakiri? It would be an honor. Y'a pas de soucis, mon pote, fais. Ouais, voilà, position, c'est ça. Sérieux? Mais mec, t'as 60... Mais t'es trop fort, mec! Fais pas ça! Putain, samouraï, quoi. Ouais, et puis en même temps, il prend la tête. Taré. T'as la femme. Ah, il croyait qu'il allait pas le faire.
mec, c'est un vrai samouraï. Putain, ça fait de la peine, quoi. Le type, il était classe, quand même. Le tigre va disparaître, ouais. Wow. Donc le dragon restera. Tigre et dragon, quoi. Of course. Ah, putain, c'est salaud. Il aurait pu être son pote, quoi. Moi, j'aurais fait, mais mec, tu veux pas venir avec moi? Ah, putain. En plus, c'était un humain, c'était à la base. Il a été corrompu par le pouvoir de la lune, quoi. Cool, samouraï. Bah écoute, ouais, tu veux vraiment finir comme ça? Écoute, j'ai besoin de ta tête. Je suis désolé, mais j'ai besoin de thunes. Hein, j'ai besoin de ta tête. Bon ben, meurs en, meurs avec fierté. Killer is dead. Killer is dead. I would say samurai is dead. Proudly, proudly dead. Execute. I have branded in my memory the death of a true man. La mort d'un vrai homme. J'ai un peu retrouvé de ma mémoire. Hop, le pouvoir revient à la lune. Il y a Muscleback qui s'agite un petit peu, hein. Donc ouais, donc il y a des bullet time aussi avec les coups dans la tête, hein. Brian. Il fait rire, Brian. Putain, il est vraiment mis... C'est double face, quoi. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Ah oui, la tête. Ah, putain. Amada... Amada Yama, quoi. Lui, c'était un vrai. C'était pas un killer. Lui, c'était un samouraï, putain. Un vrai samouraï. Ouais, le tigre est mort. Mais lui, je pense qu'il trafique quelque chose, ce con, non? Regarde, il fait son petit show, là. Il fait un peu son... Il mijote quelque chose. C'est pas clair. Hein, tigre et dragon. Donc toi, t'es dragon, c'est ça? Tu dis, Brian. Mort d'un samouraï, exactement ce que je disais. 45 minutes pour le faire. Waouh, on a de la thune. Attacking with the sword. The sword. The sword, c'est moi, the sword. Ah oui, son sabre, il s'appelle. Son katana, c'est Yamaku, hein, tu dis pas de conneries, ouais. Yamaku! New mission. New item. Cool. Wouah, les missions qu'il y a, mes amis. Ouais, justement, je vais vous faire, je pense, un épisode avec tout ça. Hein. À la suite. Vous en aviez vu deux. Ouais, je vous ferai Time Curse, Bontai. Puis tout ce qui est séduction, bah je vous en mettrai deux, parce que j'ai dit que je les mettrais les deux, donc Betty et puis la brésilienne, là, comme j'ai dit. Ouais, parce qu'il y a beaucoup... Celle-là, vous les avez vues les deux, mais c'est pas très intéressant, là, il y a juste des vermines contre les murs qu'il faut buter, là, les espèces de larves. Puis ça, bah, il faut juste aller à quatre poteaux, et puis t'as des chauves-souris qui viennent, et puis... Et puis ça, bah, c'est juste du fight avec deux qui sont, entre guillemets, invincibles, là, les deux gars en violet, là. C'est pas très intéressant. Donc les prochains, je vous les fais. Mais entre guillemets, comme ça, vous aurez tout vu, ouais. Ça aussi, je vous ferai. Alors, mes amis, on continue le... On fait rien du tout, on fait ça. Toutes les missions qu'il y a. Une chier de mission, là. C'est cool. Gift shop. Allez. Alors... Oh, a fan with a tiger print. Cool, un éventail. Oui, je me souviens, les demoiselles, elles me demandaient un éventail de temps en temps. Quand j'avais testé. Parce que, en fait, quand tu mets les lunettes, tu vois l'item qu'elle veut. Et si tu l'as, c'est bon. En fait, c'est tout con hein, pour la séduction. Ouais, du coup, j'avais donné une rose, du coup, j'avais donné un bouquet. Perfume, du coup, j'avais donné aussi à Betty. 1, 2, 3, 4.
Marvel. Ouf, c'est 1 180 000 maintenant. Ouais. Ah oui, j'ai un blue ticket, putain. Pardon. Fois 1. Mais oui, je m'excuse. Putain, j'ai gagné un blue ticket puisque j'ai séduit Betty. Hein. Si vous arrivez jusque-là, ouais, donc c'est que vous avez vu les épisodes précédents, bien sûr. Ouais. Moi, le rejoue, ça veut rien dire. Le rejoue, j'ai pas encore monté, mais je sais que normalement, je vais mettre Betty avant, donc c'est bon. C'est Betty qui m'a donné le ticket, si je dis pas de conneries. La vampire, Betty. Pour ceux qui auraient oublié. Avec ses canines. Elle va me bouffer, tu sais. I'm so thirsty. Elle est assez aguichante, quoi. Bon, on continue. Elle est bien métal. Alors, je crois qu'on a tout, hein. Ouais, je pourrais prendre un red ticket, mais... on s'en fout. Vivienne, Mika, Kaoru, Moonriver... c'est bon, arrête-toi, Betty, la brésilienne. Ouais, sacré Mondo, c'est vraiment un gigolo, quoi. Il passe d'une femme à l'autre, mais... comme ça, quoi. Ça va de 16 à... Ouais, Mika, elle a quoi, 17 ans? Je sais plus, je dirais qu'elle est de 17 à Vivienne qui a... Bon, c'est une cyborg, Vivienne, hein, aussi. Hein. Tiens, tous les bras qu'elle a, les Aou. En fait, ils sont télescopiques, ils sont incrustés dans ses seins, tu sais. Ça sort comme ça. J'essaie de vous mettre un plan avec le... avec les bras, là. Ça, c'est taré comme capacité, quoi. Fait penser un peu aussi à une X-Men, là. Il y a une X-Men, voilà. Il y a une des X-Men qui est comme ça, qui a 4-5 bras, là. C'est pas Mystique, je sais pas si c'est Mystique. Non, c'est pas Mystique, mais c'est une des X-Men. Pas des... Ouais, des vilains, quoi. Villains. On est à combien? Mais ça pue. Je suis désolé, j'avais pas vu que j'avais rien. Alors, mes amis, on continue. Donc, perso, on continue l'histoire, tranquille. Donc, il y aura un épisode spécial. C'est lequel maintenant? Du coup, c'est le 8. Un épisode spécial avec la nurse. Scarlett, voilà, il y a aussi Scarlett. Et puis un épisode avec les quelques missions qui restent là pour que vous voyez. Comme ça, vous verrez tout. Par contre, je me demande si... Est-ce que je peux changer la difficulté? C'est quoi LTRT? C'est quoi le bouton pour changer la difficulté? LT LT, ça fait office de quoi? Q R? Non. Ah ouais, ça a changé en haut, pardon. Non, non, non! Ah non, non! Ah putain. LT, c'est quoi? Putain, j'ai fait toutes les. Ah putain. LT, LT. Ah, ça fait chier cette manette, putain. LT. Ah, c'est bouton de la souris! Ok, ok. LT, c'est bouton. Ah, mais. Désolé, ouais, je connais pas encore. Voilà, donc ça change la difficulté. Ok. Ah ouais, donc je. Oh, je peux mettre en Nightmare, mes amis. Oh, j'y crois pas. C'est ce que je voulais voir, en fait. Est-ce qu'on peut mettre plus dur? Oh, bah, on est parti en Nightmare, hein. On est parti en Nightmare. Oh, alors, mes amis, on est parti en Nightmare. C'est ce que je voulais, en fait. Et j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois... Je crois savoir qu'il faut finir tous les gars avec les QTE. Je crois savoir. Mais je suis... Je suis pas sûr, sûr, sûr. Wow, il y a une moto, il y a une, enfin, une moto avec une mission, j'allais dire. Une mission avec une moto. Avec notre amie Vivienne. Vivienne. Bon, mes amis, épisode 8. Alors, c'est quoi? In Dreams? She who dances in dreams. Celle qui danse dans les rêves. Donc, celle qui mangeait les rêves. Celle qui a perdu les oreilles, là. Oh, non, celle qui danse dans les rêves. Ouais, celle qui mangeait les rêves, c'était avec la vue bizarre, là, quand j'étais dans les... Dans les esprits. Mes amis, on est parti. Nightmare. Alors maintenant, ça rigole plus. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. She who dances is you. Il y a même pas de tas de... Bah... Ah oui, c'est la deuxième fois. Hein. Unknown, mes amis. Ah, ça pue. Ça veut dire que c'est un boss direct. C'est comme l'autre, là. Je pense que c'est exactement comme... Enfin, je me prononce pas, mais... Ça, c'est marrant. Voilà, ça. Music River is... Là, it is unclean... Là, ça fait chier. J'aurais bien... Je sais pas si avec pause, on arrive à lire et tout. Mais ça, c'est un peu l'histoire, en fait, de la mission à chaque fois. J'espère que vous avez bien, mes amis. Toujours avec Lacey, Samuel Games. Ah, j'étais sûr. Voilà, on est dans même, un peu dans le même monde. Ah, on va devoir revoir... Mondo. Mondo. Avec toi. Mondo. Wake up. Elle est cool sa voix. Wake up. Elle fait un peu
Enfin, elle a une voix, je sais pas, cool quoi. Wake up! Ouais, réveille-toi, mec! Tu fais quoi? Est-ce qu'il est habillé d'une autre manière là? Ouais, il est. Là, il est en. Il est plus en costard là, hein? Sacré monde de. Ben. T'as pas eu le temps de te rhabiller avec la nuit. Avec ta nuit avec. Une des demoiselles. Oh, il est plus jeune, non? Peut-être qu'il est plus jeune, il était pas en costard encore. Ouais, c'était Terre, Lune, Soleil, je crois. Hein. Ouais, mais voilà, j'ai pensé c'est un peu le même endroit. Ah, sauf que cette fois-ci, je viens d'ici. Putain, c'est cool, quoi. Ouais, il est plus jeune. On dirait, non? Waouh, putain, c'est cool. Ouais, mais par contre, y'a rien. Ah, il faut choisir le chemin. Là, c'est marrant, je peux déjà courir. Ok, alors je peux pas bouger la caméra. Ah, ah, il y a du fight. Ah oui. J'ai oublié de... J'aimerais pas avec le cul là en fait. Putain, mais y a pas, je peux pas faire le. Ah, ici y a pas de bullet time non plus. En fait, je voulais tirer le nouveau coup là. Voilà. Bullet oh pas mal. Et là. Bien joué. Ah, je peux pas viser. J'ai pas eu de faire une grosse connerie parce que. Pas évident à contre bon moment. Voilà. Peut-être que je pouvais mettre. Putain, c'est excellent quoi. C'est cool les combats comme ça. Mais par contre, j'ai pas de bullet time, c'est dommage. Ah, y'a pas des cristaux là? Ah, c'est des yeux. Ah non, les sceptres. Dans l'eau, les sceptres. Hein? Shout goal. On continue. La porte de nulle part. Waouh. Putain, la classe, il me rappelle un peu. Il me rappelle un peu Dante. Dans DMC surtout. Je vous invite à voir mon. Pardon, je vous invite à voir mon playthrough. Avec la lune là. Putain, c'est tu là. Waouh. La classe. Putain, ce jeu il est magnifique quoi. Je suis un peu sans voix, hein. J'aime bien aussi le. L'univers franchement de Suda 51 c'est un tripé. Et ah oui, donc il a fait aussi Lollipop Chainsaw pour ceux qui connaissent. Ouais, j'avais vu un petit peu mais j'avais pas joué. Puis je crois qu'il a fait Killer 7, son premier jeu. Killer 7, je pense qu'il doit être pas mal aussi. Peut-être je vais voir si je peux pas le trouver sur Steam ou je vais voir. Et puis je crois qu'il en a fait encore un, mais un peu bizarre. Mais voilà, je pense que celui-là c'est son chef-d'œuvre quoi. Waouh, et on revient au début. Ah oui, donc il y a pas de. Ouais, donc j'ai pas de bras. Bah oui, c'est bien ça, je suis jeune, je suis pas. Ah. Puisque j'ai pas mon arme. Par contre, je peux pas faire de bullet time. Ah ouais, j'en peux pas. Ça, je l'ai, ouais. Tu fais quoi? Ouah, comme c'est beau. Oui, mais j'ai ce truc. Yes, pardon. C'est ce que je pensais, ça envoie en l'air.